Et yo les gens, c'est FairKarim, on se retrouve pour la suite de Pokémon Lune, voilà. Donc là, je suis en train d'enchaîner, hein. Vous aurez pas la même vidéo au même moment. Moi, j'enchaîne là, parce que je me fais chier. Donc, j'enchaîne, les vidéos seront pas mises au même moment, évidemment. Donc, il veut que j'aille voir le doyen, d'après ce que j'ai compris. Qu'est pas ça? Ah! Ah, la fille, attention. Quelque chose t'intrigue aux ruines. Ok, donc, on va aller aux ruines. Qu'est-ce qui se passe aux ruines? Sentier du mal à l'eau, d'après ce que j'ai vu. J'ai pas trop le temps de regarder, perso. Ok, tac, tac, hop, 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 tac, tac, hop, hop. Hop hop tac. Hop 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 tac. Hop hop tac 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 tac. Ah. Attention. C'est qu'elle va vite. S'il te plaît, sors pas du sac. Si quelqu'un te veut, nous aurons des ennuis. C'est sûr. Pêche, tiens un Pokémon dans un sac, normal il veut sortir d'un mot. Ok, donc quel cours. Oh, on dirait un popcorn les gens. Yeah. Mais nous on est là, on va l'aider, évidemment. On laisse pas un Pokémon s'ouvrir comme ça. Oh, mais quel chance j'ai. On me parle. Quelque chose ne va pas. Mais en fait, il y a juste un Pokémon qui est en train de se faire massacrer. T'as cru, t'as le temps de dire qui tu. Non mais on s'en fout. J'ai besoin de ton aide. Sauf Doudou, je t'en prie. Ces pierres faibles qui sont en train de l'attaquer, mais j'ai trop peur d'y aller. Mes jambes refusent de bouger. Flippette. Ah, attaque! Ouh là là. On s'en fout, on est des fous. Hop là. Attention. Oh là là, mais quel fourrage! T'aurais pas pu le faire avant ça, connard. Pardon. Oh, attention. Le gros Pokémon. What the hell? What? On dirait Deoxys en mode électrique, genre, vous voyez ce que je veux dire. Ce mec vole. Oh, quelle frayeur. Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs. Mais enfin, tu sais pourtant que... La dernière fois, tu étais tellement épuisé que tu n'arrivais même plus à bouger. Je ne peux jamais te voir comme ça, Doudou. Je me sens tellement coupable. Je sais que tu as fait ça pour sauver la dernière fois. Ouais, c'est bon. J'en ai marre. Je lis trop. Piou. Qu'est-ce que c'est? Oh. J'ai trouvé une pierre qui brille, Doudou. Oh, quelle est tienne. Merci pour ton aide. Merci du fond du cœur. Merci à toi de m'avoir invité, le pierre. Tu es qui? Une bourgeoise. Cette pierre te revient, je suppose. Vous recevez la gemme lumière. Vous mettez la gemme lumière dans la poche objet là. Pourrais-je te demander de ne pas parler de ce Pokémon à personne? Je voudrais que tu gardes tout cela secret, c'est vraiment important. Doudou rentre vite dans le sac. Piou!
Pardon, mais j'ai peur que le loup se fasse à nouveau attaquer. Est-ce que tu voudrais bien nous accompagner jusqu'à la place du village? Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, où est-ce que tu veux aller là? On est obligé. Tu réfléchis un peu. Oh, le vent qu'il y a, les gens. 110 km/h aujourd'hui. C'est abusé. Il y a un vent de dingue. Aujourd'hui, genre, sur la place de la Comédie, Montpellier, pour ceux qui connaissent. Genre, il y a une espèce de petit bar dehors, genre. Il y a toutes les chaises qui sont envolées et tout. C'était n'importe quoi. Bref. T'as débusqué mon assistante. Mais bien sûr. Je vais faire les présentations, vieux motard que jamais. Oh la blague de merde. Bref. Ou plutôt, mieux vaut tard que jamais. Non mais, tais-toi. Bref, voici mon assistante. Je m'appelle Lily. Lily, je te présente Val. Franchement, fraîchement débarqué à Lola depuis hier. Je compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs. Oh, tu connais le professeur Ford? Eh bien, ma foi, enchanté. Le doyen est de retour. Hurra pour Petrus. L'homme que le gardien choisit, le dresseur Pokémon dont la renommée s'étend à tout Alola. Oh, sorte de poney jaune, mon gars. Oh là 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 là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Pectorus, t'étais passé où, man? Euphorb, tu sais que je suis doyen, non? Mon temps ne m'appartient pas, je suis avant tout au service de Lily et de ses habitants. Ma petite Lily, que s'est-il passé? J'ai bien cru voir Toriko s'envoler par-dessus la canopée. Oh, monsieur Pectorus, c'est mon petit doudou. Il était sur le pont suspendu et il s'est fait attaquer sauvagement par des pierres avec. J'en ai marre de lire. Bon. Moi, je veux choisir mon Pokémon. C'est quand qu'ils me font choisir mon Pokémon? Allez, je m'en fous de ton blabla. Ah, bien, jetons un œil à ces fameux Pokémon. Ah bah voilà, lui, il perd pas de temps, tu vois. Ok, alors, les gens. Que fait? Commençons par le chouette Pokémon plante. J'ai nommé Brindibou. Boubou. Ensuite, nous avons l'ardent Pokémon feu Flamiaou. Et pour finir, les patins Pokémon Otak. Ota Ota. Bon, donc les gens, que faire? Quel Pokémon choisis-tu? Non mais... Ah mais maintenant, genre, ils te font choisir, mais genre en mode, t'as pas le temps, tu vois, genre, ils font enchaîner, quoi. Otakin, Otaké, mon gars, allez. Otakin, le Pokémon de type O, c'est lui que tu veux? Oui. Salut, mon poteau. Allons petit, voyons aussi Otakin t'a adopté. Allez, viens ici. Viens ici. Au pied. Allez. Au pied. Otakin. Allez, au pied. Je rigole. Allez, viens. Oh, que c'est mignon. Que c'est mignon. Ok, d'accord, allez. Ota! Otakin, le Pokémon de type O, prend un air fier. Otakin semble t'avoir accepté comme dresseur. Tranquille, man, vous serez amis pour la vie alors. Voulez-vous donner un surnom? Non, non, non. Otakin, voilà, il s'appelle Otakin. Pourquoi je vais me faire chier à lui donner un nom? Voici donc le Pokémon que tu as choisi, Otakin. Piou! Doudou, tu es incorrigible. Professeur, c'est pour que tu respondes. Ah, d'accord.
J'ai vu le mot cadeau. Oh, Pokédex! Lourd, lourd, lourd! Et ça, c'est ton passe-dresseur. Je l'ai gardé bien au chaud en attendant ton arrivée. Bon, et si on rentrait montrer à ta chère maman ton nouveau pote? Pas de soucis. Allons, trace. Non, c'est où déjà? Ouais, c'est là. Hop. Skill. Hey, toi. Ouais, toi là, on sait un combat Pokémon. Allez, tranquille, mon enfant Chili. Où sont tes manières? Commence déjà par te présenter avant de provoquer les autres en duel. Ah ouais, c'est vrai, pardon, moi c'est Chili, enchanté. Mon pas. Mon quoi? Ils ont fait une faute. Mon papé, c'est le doyen de l'île, et mon Pokémon c'est Flamiaou. Donc, les gens, la Pokémon Lune a fait une grave erreur. Il vient de dire son Pokémon c'est Flamiaou. Sauf que là, il y a une minute, il m'a proposé Flamiaou en taquin ou truc. Donc c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Son Flamiaou, il l'a capturé à l'état sauvage. Déjà ton premier combat, c'est trop ouf. Mais oui mon gars. Premier combat, attention lourd. Allez mon gars, on combat ou quoi? T'as peur de moi ou quoi? Allez. Allez, dis oui. Oui, ça va barder mon gars. Cool, ça va être trop bien. Que le combat Pokémon commence. Il veut se battre. Vas-y, on va arrêter de songer sur une musique comme ça là. Ok, au taquin, go. Alors, que doit faire au taquin? Pistolet à eau. Et pourquoi pistolet à eau? Parce que l'eau éteint le feu, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Oh là 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 là, mais quel dégât! Non, Flamèche, c'est pas efficace, mon gars. Ça, c'est efficace. Et oui, mon gars. Hop là, ça c'est fait. C'est déjà fini, là, alors. Amène-moi un deuxième Pokémon, là. Niveau 6. Lourd. C'est super dur. Trop fort, tu t'appelles Val, c'est bien ça, t'as trop la classe. Et de Nontakin, il est bien cool aussi. Super, demain je vais assurer. Un instant Val, laisse-moi regarder cette pierre brune que tu as là. Nom d'un petit bonhomme. Pépé, cette pierre. Mon petit Val, c'est bien Toriko qui t'a sauvé tout à l'heure. Oui, Tokoriko, pardon. Non seulement il t'a sauvé, mais en plus il t'a donné cette gemme. Je vois. Ok. Je suis qualifié pour avoir, pour être un dresseur. Allez, man, je te raccompagne chez ta mère. Mais bien sûr. Raconte-moi tout, tu ressens un Pokémon, montre-le à la main. Ota! Oh, comme il est chou! Bon, moi, les gens, je vais vous laisser là. Voilà. Faut pas que je dépasse les 15 minutes. Donc voilà, discussion entre Otakin et Meowth. Allez, ciao, les gens.